King Julius style. Salutations les lémurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau samedi gaming sur Jagged Alliance Rage, un petit jeu qui m'a été gentiment offert par les développeurs. Et ce jeu est édité par Andy Game, donc je tiens à les remercier, sachant qu'il est développé par Klingfanger Productions. Alors les avis sur Steam sont mitigés, le jeu d'ailleurs sur Steam est au prix de 19,99€. Donc c'est un RPG stratégique en mode aventure avec pas mal de violence situé dans un contexte militaire, donc voilà, pendant la guerre. Donc on va aller se tester ça. D'ailleurs il y a plusieurs Jagged avant celui-ci, sachant qu'il est sorti le 6 décembre 2018. Du moins c'est ce qui est indiqué sur Steam. Donc voilà, nous on va aller tester ça tout de suite. On va se lancer une petite campagne, sachant que vous pouvez voir qu'il est en français. Sauf le dialogue, pour les dialogues c'est juste russe, polonais, anglais et allemand je crois, donc tant qu'on a les sous-titres et le reste, ça va aller. J'espère que par contre pour la musique, je vais pas me faire strike, donc on va se lancer une petite campagne et on va aller tester ça. Alors sachant que c'est un jeu tour par tour, j'en ai déjà présenté un, c'était Mutant Year Zero, donc là maintenant on va aller en tester un autre. Ok, alors là, c'est la présentation des persos. Je pense qu'il va falloir en choisir un et puis peut-être que les autres nous accompagneront après à côté et seront dirigés par l'IA. Ou je sais pas si on va devoir aller les récupérer. Comme ça peut être le cas sur Mutant Year Zero, on commence avec un perso puis ensuite il faut aller rencontrer les autres en chemin. Donc là on a Kyle Shadow Simon, cet ex-ranger a élevé la furtivité au rang d'art. Shadow pourrait être tapis dans l'ombre juste à côté de vous. Il est probable que vous ne vous en rendriez pas compte. Shadow a développé une paranoïa après avoir été victime d'une attaque de gaz allié qui endommageait son système immunitaire de façon permanente. Solitaire par nature, il ne fait désormais plus confiance à personne. Donc commando, camouflage, système immunitaire faible. Ok, il peut réaliser des éliminations furtives avec le lancer de couteau. Les éliminations furtives sont 100% silencieuses, toujours en vigilance de mêlée. Manie très bien le pistolet mitrailleur. La dissimulation confère une protection. Inconvénient, hémophile. Chance accrue de contracter une infection. Ok, peut contourner les ennemis sans être vu. Ok, c'est pour sa compétence. 14 de vie, 17. Sa visée n'est pas limitée à sa visibilité. Bonus élevé en précision aux chances de coups critiques au fusil de sniper. Ok, machin, désarme les ennemis. Aucune pénalité dans l'obscurité. Inconvénient. Les pertes civiles sapent rapidement son moral, maîtrise mal le recul, ne peut pas utiliser d'armes lourdes. Et la compétence et la rage confèrent un tir de précision qui ignore l'armure. Ok. Ensuite, lui, il simule uniquement s'il est allongé, subit des dégâts, s'il saute de plus de 2 mètres de haut, a besoin d'alcool pour être opérationnel. Ok, c'est un pochetron. Les avantages, plus d'espace dans l'inventaire, dégâts de mêlée accrus, mur humain, serre d'abri pour ses coéquipiers, précision accrue en tir en rafale, spécialiste du fusil à pompe ou des fusils d'assaut, compétence PA, donc point d'action et résistance accrue sous l'effet de la rage, peut détourner l'attention des ennemis en les attirant. Ok, alors je vais pas lire toute leur bio non plus. Par contre, ouais, c'est un alcoolique qui a 20. Il est 18. Moins d'espace dans l'inventaire. Précision diminuée avec les armes à feu.
Récupère un peu de points de vie sur le terrain, convertis la rage en points d'action supplémentaires. Ok, peut grimper jusqu'à 3 mètres. Attaque de la griffe du tigre, aucune pénalité dans l'obscurité. Point d'action max accru, peut tout soigner lors des repos. Vicky Waters, ah, Victoria Rince, ça a l'air agile, mécano, claustrophobe. Ok, yeah, ouais. Lui il est maladroit, expert en armes lourdes, meneur d'équipe. La rage confère la compétence à arrosage qui vide le chargeur pour toucher tout le monde sous l'effet de la rage. Son ralliement donne des points d'action à toute l'équipe. Ok. Ok, pourquoi pas. Passion diminuée suite aux crises de panique dans les espaces confinés. La rage confère un tir multiple qui touche plusieurs ennemis. Peut créer des brèches dans les clôtures avec son matériel personnel. Peut crocheter toutes les serrures avec son matériel personnel. Peut fabriquer des améliorations d'armure, peut réparer les armes et les armures. Bah, ça serait peut-être pas mal. J'hésite entre la petite dame là. Victoria. Vas-y, je vais prendre Victoria. Ah, je peux en sélectionner plusieurs. Choisissez deux personnages. Alors, je vais prendre la petite dame. Et je vais prendre. Ivan Dolvich. I need the money. Dr. Q. Ja, das ist Grunty. Ready for a job. Très maladroit au lancer. Ok, tension intérieure élevée, risque de crise cardiaque. Ouais, bah. On va éviter. Celui-là, il est malade. Ivan Dolvich. I need the money. Allez, on va prendre le mur là. Ok, suivant. On va rester en normal. Alors, je vais pas passer le didacticien, on va se lancer une petite campagne. Il y a aussi du multijoueur, donc on peut jouer à plusieurs. Alors, je sais pas après si on peut affronter d'autres joueurs ou quoi, mais ça reste à voir. Si c'est juste de la coop, le multijoueur. Ça fait un peu bande dessinée. You look rough. Time has not treated you kindly. Are you fit for the mission? I don't get paid for looks. I get paid for killing. Ok, on est là. On est cerné, ça commence bien. Welcome to Saint Anthony. Ok. Ok, j'ai cru qu'il y avait un petit souci technique là, mais. Finally, I wanted you to be fully conscious for your procedure. It's going to be very painful. You look confused, getting captured so easily. Did you really think you could surprise me like last time? The tables have turned. Now it is me surprising you. Look at you. You were a force to be reckoned with once. Now you're just old and pathetic. It's almost sad to see you like this. But let's not dwell on the past, when the present is so much more horrible for you. When the procedure is done, you will be my subjects. Utterly loyal, completely under my control. Like your old friend here. Sir? I believe he was one of yours, but now he is one of mine. Let me demonstrate. You there! Execute yourself. Sir, I cannot. Obey me! Shoot yourself! Now! I obey. Shoveling shit for the rest of your life. You understand Sorry. Me? I missed myself. What? What an idiot! Okay. Unbelievable. Another specimen resisting suicide commands. We did try to warn you, sir. There is still a chance of some resistance. It's a percentage game currently. Whatever. So, where was I? Oh, yes. Let that be a lesson to you. I have total control. I have... What is it now? Excuse me.
Sir, we need to initiate the procedure before the sedative wears off. You know how critical the timing is. What? Ah. Yes. Yes, of course. Well, when you are finished, have them brought to me. I'll be in my room. Il a pas l'air très compétent, lui. Stay quiet, or the soldiers will hear us. This madness is out of control. We need to expose what's happening. I will free you, show you a way out. Understood? Remember that I helped you, and I want amnesty. Someone needs to stop what's happening. Otherwise, we're all doomed. Wait, I'll undo your restraints. Ah, par contre, on n'est pas au sol. Qu'il y a un truc qui nous maintienne sur le côté, mais bon. Thank you. But what was that all about? Who was that guy? Anyway, let's get out of here. Okay, restraints are off. I'll take the lead. Just follow me. Ok, alors avant d'aller plus loin, je vais quand même vous lire le petit résumé de Steam parce que j'ai un peu zappé de le faire. Dans Jagged Alliance est de retour en renouvelant la stratégie au tour par tour avec des éléments d'aventure et des mercenaires au caractère bien trempé. Voilà, voilà, voilà. Donc maintenant, Jagged Alliance Rage, ce jeu au tour par tour, chaque action coûte des points d'action, ouais, bah, forcément. Les mercenaires peuvent alterner entre les modes course et furtivité avec la touche Y, le bouton latéral de la souris, ou sur la touche Y. Courir fait du bruit, mais vous permet d'avancer plus loin avec le même nombre de points d'action. Ok. Regardez autour de vous, vous pouvez débloquer la caméra avec les touches directionnelles ZQSD ou la touche L. Et la faire pivoter avec A et E. Ou la touche R, ok. Maintenant, passez en mode course et placez votre curseur sur la position indiquée. Confirmez pour vous déplacer. Ok, ok, ok. Et bah, c'est parti alors. Let's go. Ok, tu vas venir jusqu'ici en courant. And now the other one. Come on. Tu peux pas aller plus loin que ça. Ok, bah vas-y. Vas-y, cours. Run to position. Run to position. Ah, ça y est, ouais. Run to position. Ah, ok, d'accord. Je peux la faire aller plus loin. Run to position. Ah, attendez, je vais déplacer un peu la caméra histoire qu'on voit. Ah, ok. Par contre, ouais, faut que je recline mes touches. Je vais passer Move en. Move to the position. Ouais, rejoignez la position. Je vais passer mon clavier en QWERTY puisque pour déplacer c'est W et non Z. Donc je crois pas que j'ai. Je vais voir si je peux rebinder les touches. Ok, alors malheureusement on peut pas rebinder les touches, sinon au pire j'aurai à la manette après. Hein. On va déjà courir jusqu'ici. And now the other one. Come on. Ouais, et la deuxième. Ok, voilà, c'est parti. Now there's your old clothes behind this door in the locker. I have a key, but you must be quiet. There are soldiers everywhere. Ah, c'est un peu con qu'on puisse pas remapper les touches. Oh shit, here they are. But you are trained soldiers, aren't you? You need to take them out, quietly. Okay. Sneak to the position, otherwise you'll make a noise. Ok, mode furtivité, élimination furtive. En mode furtivité, vous ne faites pas de bruit, ce qui est idéal pour s'approcher des ennemis. Si quelqu'un vous entend, ou vous voit quand vous déplacez, la ligne au sol devient rouge. Quand vous attaquez un ennemi à main nue et que celui-ci ne vous a pas encore repéré, vous réalisez une élimination furtive. Plus tard dans le jeu, vous pourrez attirer les ennemis dans les pièges en sifflant ou en lançant des objets. Repassez en mode furtivité, placez votre curseur sur l'ennemi et confirmez pour lancer l'attaque. Ok, chef. Here. And now the other one. Come on. Ok. Donc je te remets en mode furtif là. Good. Now, kill him from behind. Ok, donc 4.
S'allonger, j'ai peut-être pas forcément besoin de m'allonger. Ok, adrénaline insuffisante. C'est ça. Ok. Ah non, je veux pas siffler là. Alors ce qui est marrant, c'est que quand j'appuie sur 2, ça fait le 1. Et quand j'appuie sur 3, ça me met le 2. Ok. Et quand j'appuie sur 1, ça fait 4. Ok. Ok, mais on va faire ça. You need to kill the soldier silently. Vous devez tuer le soldat en silence, élimination, machin, bidule. Ok. You need to kill the soldier silently. Sneak and kill. Ok, comme ça. Ah, suce le verrouillé, j'avais pas vu, je m'étais remis en mode course. But without making a noise. Ok. Par contre, ouais, si j'ai tout dépliqué pour qu'elle réussisse à avancer, great. Ça va être un peu compliqué. Nobody heard a thing. Now, search the bodies and grab anything you find useful. And ouais, check that locker for your clothes. When both of you are done, return back to me. Ok, chef. Remember, work as a team. And don't forget your clothes, please. Ok, on travaille en équipe et on n'oublie pas ses vêtements. Tous les ennemis possèdent du matériel et vous pouvez également en trouver dans des conteneurs comme les caisses ou les casiers. Pour ramasser du butin, placez le curseur sur le corps où l'objet est confirmé. Parfois, vous pouvez réaliser d'autres actions avec les objets. Quand c'est le cas, l'indication interagir apparaît au bas de l'écran. Ok. Changer de personnage et fin du tour. Vous pouvez passer d'un mercenaire à l'autre à tout moment en appuyant sur Tab ou sur les touches LB, RB ou en sélectionnant l'autre mercenaire avec la souris dans le coin inférieur gauche. Ouais, donc ici. Si les deux mercenaires sont à court de points d'action, votre tour se termine automatiquement. Vous pouvez également terminer votre tour manuellement en sélectionnant fin de tour. Ok, pas de soucis. Ok, bah je vais prendre ça. Je sais pas ce que c'est une bouteille d'eau sale. Ok, là je vais fermer. Et la petite dame là. Ah, c'est un bandage. Un bandage sale. Au pire, lui il va tout ramasser. Voilà. Il va aller fouiller un casier. Ok. Par contre, ouais, je peux fouiller que celui du milieu. Tu vas te mettre là. On va changer la petite dame. Elle va prendre ses vêtements. Je sais pas si elle peut fouiller, trouver autre chose. Je crois que là, il y a un truc, non? Je sais pas, il y a une petite ombre. Ah ouais, non, c'est la loupiote derrière. Ok. Et là, il n'y a rien non plus. Mais c'est bien, on a appris à fouiller avec la dame. Ok, donc là, ils me disent qu'il n'y a plus rien. Je peux peut-être fouiller ailleurs, non? Ah là, il y a un truc. Ok. Alors, tu peux venir ici, voilà. What's this? Ah, c'est hors de portée. Maybe a souvenir. Ok, c'est hors de portée. Alors, peut-être que le monsieur, il pourra... est-ce qu'elle gêne, la dame? Here. Ouais, vas-y, la dame. Déplace-toi. Vu que tu peux pas choper ça là. Ah, il y a peut-être plus de points d'action. Ok. Viens là. Ok, le tour c'est terminé. Alors, on va passer à la petite dame qui va gentiment venir se mettre ici. Voilà. Le monsieur, il va venir prendre ça. Ok. Ça me rappelle mon enfance. Un petit canard en plastique. Allez, vas-y, c'est parti. On l'embarque. Voilà, je sais pas s'il y a autre chose à prendre. Pas que j'oublie de tourner aussi. Là, je peux pas fouiller. Ah ouais, non, hors de portée et tout machin, c'est rien que j'ai l'air fouillé. Allez, c'est parti. Vas-y, cours. Donc, effectivement, quand on est discret, on okay, grab some guns, but don't shoot unless you have to. We don't want to draw unwanted attention. All right, enough talk. We need to get going. Follow me. Ok, je sais pas d'où il est sorti les armes, mais ok. Come on, run to the position. Ouais, run to the position.
And now the other one. Come on. Ouais, and then the one you want. Viens jusqu'ici, madame. Move to the position. Okay, I can pass through here, but you can't be seen. Crawl to the other side, so the soldiers won't see you. Go prone, now. Ok, pour ramper, c'est ici. C'est un peu bizarre, là. Ils les ont mis dans l'autre sens. Et moi, ça me fait l'inverse avec les touches. En plus de la course et de la furtivité, vous pouvez également ramper. Quand vous rampez, vous êtes plus difficile à repérer. Et si vous êtes à couvert, vous êtes plus en sécurité. Toutefois, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire en rampant. Et vous ne pouvez tirer que sur ce que vous voyez. Activez votre barre de compétences avec espace ou la touche RT, allongée et suivez les ordres du scientifique. Ok. You need to get down on your belly now. Alors déjà, ce qui serait bien, c'est que je pivote un peu. S'allonger. You need to crawl as far as you can. Voilà, ça veut dire que maintenant, faut que j'avance ici, c'est tout. And now the other one. Come on. Ah, viens là. You need to go to prone position now. Ok. Ok, 5. 5 pour 2. C'est un peu bizarre le bind des touches là. Ouais, ça longe. Crawl to the position. It's great working with people who listen. I'm gonna meet you on the other side. Ok, chef. Ready. Ok, vas-y. Fonce. Weird little green soldiers. They are like slave soldiers, drugged and beaten to serve their masters. Okay. And now the other one. Come on. Move to the position. Okay. Bon, là, il veut absolument que j'aille dans le carré vert. And now the other one. Là, come on. Okay. I guess we can't sneak past that guard. Shoot him, but let me get out of the way first. You need to get up to do this. Pour pouvoir tirer sur un ennemi, vous devez avoir une visibilité dégagée de la cible. Tous les ennemis que vous pouvez cibler ont une jauge de santé et des chances de toucher affichées au-dessus de leur tête. La plupart des armes vous permettent de sélectionner la partie du corps que vous voulez cibler. Allez-y et abattez le soldat. Ready. Ok, c'est parti. You call yourself soldiers? Ha! Si je fais ça direct. Ok. Ah, dans le torse. Et j'ai plus de chances de lui en mettre une dans le torse. Bah, je vais tirer dans you le torse. You need to get up to do this. Relève-toi. Come on, run to the position. Come on, run to the position. Ah, ils sont relous là. Run to the position. Ah, j'ai compris. Come on, run to the position. Ah, mais dans ce cas-là, déverrouille ça là. Ah, là, c'est fin de tour. Tu veux pas genre juste avancer? Ah, là, c'est en cliquant sur mousse droite. Ok, voilà. Ok, échappe pour annuler. Shoot the guard's leg. Ah, faut que je shoot dans la jambe. Ok. I run low of bullets. And now the other one. Come on. Ok, à toi ma petite dame. Vas-y, relève-toi là. Donc 5. Run to position. Voilà, fonce derrière target lui. His body. Shoot him now. Vigilance, ouais, c'est couvrir. Ah, faut que je tire aussi dans la jambe. Target his body. Shoot him, target his body. Shoot him now. Visez le corps, faudrait savoir. I'm running out of bullets. I'm low on ammo. Ok, il me reste dans cet enjeu là. De l'IA, ok, moins 2. Ok, il y a du people qui arrive. This needs to work now. Visez rafale. Increase your aim until you have 100% hit. Il faut que ça fonctionne, vous augmentez votre chance de viser pour avoir 100%. Ok.
Avec les armes tirant au coup par coup ou en rafale, vous pouvez dépenser plus de points d'action en visant la cible avec le bouton droit de la souris ou la touche à LT, on s'en fout, ok, pour que le tir suivant soit plus précis. Avec les armes automatiques, vous pouvez dépenser plus de points d'action pour maintenir la gâchette plus longtemps et ainsi tirer plus de balles sur la cible. S'il est possible d'ajuster la visée ou de tirer plus de balles, cela vous sera indiqué au bas de l'écran. Ok, chef. Vas-y, moi je te mets dans la tête. This needs to work now. You increase your aim until you have a 100% hit. Then shoot him in the head. Until this needs to work now. You increase your aim until you have a 100% hit. Ah ouais, viser plus longtemps. Then shoot him in the head. Ouais, clique à espace pour tirer. This needs to work now. You increase your aim until you have a 100% hit. Ah ouais, faut tirer plus. Ok. Ok, faut faire plusieurs clics. Pas rester appuyé dessus, faut cliquer plusieurs fois. You already raised the alarm. You'll need to escape through the sewer exit. Here's an old radio. Il va falloir vous échapper par les égouts. You can't prenez cette vieille radio, elle permettra I'll try to stay in touch. J'essaierai de garder contact. N'oubliez pas que je vous ai aidé maintenant, fuyez. Run. Ok. Ok, ok, c'est parti. Allez, mon gros. Avance ici. La petite dame. Tu vas venir le fouiller. Voilà, prends son gun. On va se tourner ici. Ok, vas-y, descends. Ah, maintenant la petite dame. All good. Ouais, voilà, hop. Ok, évasion, c'est terminé. C'était pas mal du tout. Ok, deuxième petit succès. Ok, claustrophobie. Vicky souffre de claustrophobie et peut donc faire une crise de panique dans les petites pièces. Lorsque cela se produit, ses chances de toucher sont réduites de 20%. Sa crise de panique prend fin lorsqu'elle retourne à l'extérieur. Ok, c'est promis. Il y a d'autres soldats. Ils ne doivent pas nous entendre arriver. Allons-nous-en. Cette puanteur machin bidule. Changer d'arme et élimination furtif. Vous pouvez changer d'arme dans votre inventaire en appuyant sur la touche X de votre clavier ou la touche X de la manette. Si vous décidez d'effectuer une attaque au corps à corps permettant une élimination furtif à condition que l'ennemi ne vous ait pas vu, vous devez ranger votre arme pour utiliser vos points. Maintenez changer d'arme pour attaquer au corps à corps et tenter de tuer les soldats sans vous faire remarquer. Sans vous faire repérer. Ok. Bon, déjà j'aimerais bien tourner la caméra, donc lui ouais. Ranger mon arme. Donc X. Ok. Puis on va faire ça de façon discrète. Alors, je vais me décaler un peu histoire qu'on voit. Always ready. Voilà, X, range ton arme. En marchant ici. Here. Je sais pas si on peut faire des attaques synchronisées là. Ouais. What devil? Always ready. Ah, par contre lui il s'est loupé là. Ah bah écoutez, je vais monter ici. Ça je vais l'embarquer. Voilà, si tu pouvais monter là, ce serait pas mal. Vas-y, remets-lui une châtaigne. Je sais pas pourquoi au début ça a pas marché. Interagir avec l'environnement. Lorsque le curseur survole un objet avec lequel vous pouvez interagir, cliquez sur le bouton de gauche de la souris pour effectuer l'action par défaut, ou bien cliquer sur le bouton droit de la souris pour ouvrir le menu d'interaction. À partir de ce menu d'interaction, vous pouvez ramasser le corps du soldat pour le déposer ailleurs et éviter que ses camarades ne le trouvent, par exemple. Ok. Ok, donc là, voilà, petit clic droit. Je peux faire butin, piège à distance. Ok, je vais prendre ça.
Ouais, je peux même changer de perso là, sa petite boîte à outils. Ok, c'est parti. Alors, je suppose que là, ils veulent aussi peut-être que je le ramasse. Voilà. Je peux le déposer derrière ou bien? Qu'est-ce qu'ils veulent que j'en fasse maintenant que je l'ai le corps? Here. Ouais, voilà, bah dépose-le. Ouais, ouais, vas-y, dépose. Pourquoi ça veut pas là? Attends, je fais espace, hein. Ah bah voilà. Ah ouais, il y a du mal, hein. Ok, outil multifonction. C'est ce qu'on a ramassé. C'est le couteau suisse. En traversant l'île, vous pouvez vous retrouver face à des portes verrouillées ou des clôtures en acier. Pour crocheter la serrure de ces portes ou découper les clôtures, il vous faut un outil multifonction. Si vous n'avez pas encore fouillé les soldats, faites-le maintenant, puis tentez de crocheter la serrure de la porte. Ok. Vas-y, viens là, madame. Alors, t'es peut-être pas obligé de venir en... Donc voilà, ok. Crocheter. Ok, juste un petit clic gauche et ça suffit. Utilisez les objets de l'inventaire. Vous pouvez aussi interagir avec les objets que vous trouvez sur les soldats morts ou dans des conteneurs. Ouvrez votre inventaire avec la touche I. Effectuez un clic droit sur l'objet. Utilisez T de votre manette, machin, pour le menu d'interaction. Maintenant, prenez les bouteilles sur la table, ouvrez votre inventaire et buvez l'eau. So easy. Ok. Déjà, elle va avancer. Let's go. Voilà, toi, tu vas avancer ton conderche ici. D'ailleurs, t'aurais peut-être même pu venir de l'autre côté, mais bon, tant pis, maintenant que t'es là, vas-y, fais boire. Vas-y, prends-toi une bouteille. Ok. Et la petite dame. Prends-toi une bouteille d'eau aussi. Là, on va faire boire l'eau. Water's tasting fine. Feeling alright. On va passer sur le rondouiller. Je vais faire I. Hop, boire de l'eau. Good water. Ah ouais, faut gérer la faim et la soif. Voilà, en plus de faire du tour par tour, le côté survie est aussi là. Sa santé, la soif, je sais pas si ça c'est la fin. Ah bah c'est marqué là. Une valeur de système immunitaire qui de 50 signifie que le système immunitaire va bien. Une valeur supérieure indique ok, donc faut juste gérer la soif. Ça c'est quoi? Au combat, tous les mercenaires disposent d'un certain nombre de points d'action. Ok, donc là je peux aller jusqu'à 12. Là si on pouvait être à 99 serait bien, faudrait pas que ça descende en dessous. Les antibiotiques, l'eau et l'alcool influencent le système immunitaire. Et je vais essayer de faire en sorte qu'il arrête de trop picoler. Quand les effets de la déshydratation se font sentir, la santé maximale diminue. Et au dernier stade, la quantité de points d'action est réduite. Ok. Donc, What's happening? Ah, ok, on va fermer. Par contre, ouais, monsieur... Puis reviens là, vu qu'il te reste un petit point. La petite dame, tu viens là, tu me prends la bouteille d'eau. Allez, t'as même pas besoin de te déplacer. Ok, c'est fait. Donc là, je suppose qu'il n'y a plus rien. Donc c'est bien beau, mais ce qui serait bien, c'est qu'on se bouge le cucu. Je vais faire fin du tour. Voilà, comme ça, je peux avancer. La petite dame. Ah, c'est un par case. Alors ça se trouve, je l'ai foutu devant. Mais lui, il est peut-être incapable de crocheter. Alors mets-toi là. Ah bah ouais, je vais faire fin du tour. Même si je suis seul, faut que je fasse fin du tour. C'est un peu... Ah si, il peut crocheter. Okay. Ok, quittez la zone. Si tous les ennemis sont morts et que les objectifs principaux sont accomplis, vous pouvez quitter la zone via la zone de sortie ou le menu pause. Si l'un de vos mercenaires se retrouve inconscient au cours de combat, un de ses coéquipiers devra le porter jusqu'à la zone de sortie. Vous ne devez abandonner personne. Ok, bon là ça va, ils sont tous... Ils sont tous dans un bon état. Donc là, je peux y aller en courant.
Voilà. Ah, that hurt. Problème de genou. Le physique impressionnant d'Ivan a aussi des inconvénients. Il a en effet développé des problèmes de genoux au fil des ans. S'il saute une hauteur supérieure ou égale à 2 mètres, sa santé diminue. Ok, ah, tu vas me dire qu'il a sauté 2 mètres là ? Il se fout de moi ou quoi ? Allez, zone terminée. Ok, nickel. Out, finally. But looks like we took wrong turn and ended up in hell. Look, all the villagers be dead. Must be that stinking red stuff. Let's go fighting. Then we drink. Let's go. Ok, bah écoutez, nous on va s'arrêter là. On a fait le petit tuto. D'ailleurs, on peut aussi se faire une vue de vue au-dessus là en dézoomant à fond. Alors je préfère mettre sur le côté, c'est quand même plus sympa. Mais effectivement, ouais, pouvoir jouer aussi d'au-dessus. Voilà, je pense que c'est quand même plus immersif. Alors, je peux zoomer au maximum ici. Je vais essayer de me remettre, voilà, une bonne petite distance. Et ben, écoutez, nous, on essaiera d'en découvrir un peu plus la prochaine fois, si le cœur vous en dit. En tout cas, j'espère que cette première découverte sur Jagged Alliance Rage vous aura fait plaisir. Si tel est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. Je tiens aussi à remercier encore une fois Andy Game de m'avoir offert ce petit jeu pour vous le présenter. Et puis si vous ne voulez pas louper les prochaines présentations et autres let's play sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner ainsi qu'à activer la cloche de notification pour être tenu au courant de tout cela. Sur ce, moi je vous laisse, survivez bien et à la prochaine. Excellent! Oh donc, il me faut simplement quelqu'un. Enlève le doigt. Les doigts, les doigts, les doigts! Allez, allez, il me faut une personne, par exemple quelqu'un qui n'a jamais trouvé l'amour, qui pourrait regarder la mort pile poil dans l'œil, un authentique héros! Vite! Avant de retrouver l'usage de notre cerveau!